On s'entend dans une boutique en ligne, la chose la plus importante, c'est le produit. C'est donc la section où vous reviendrez régulièrement pour ajouter un nouveau produit. Très simple, ayez en main votre description, le titre. Mettez de l'amour particulièrement à la section description. Mettez assez de mots. Pensez à mots-clés. Pensez à intégrer des H1, des H2. On vous donne une petite chronique là sous moi. Vous allez aller lire sur comment bonifier votre description pour que Google vous aime. Pensez à mettre une vidéo YouTube, pourquoi pas, dans votre description. Ajouter d'autres images. Bref, donnez de l'amour à votre description. Ensuite, c'est là où on donne toutes les informations. Il y a une section qui s'appelle « Données » dans laquelle vous allez entrer toutes les informations sur le fameux produit, entre autres, qu'est-ce qui arrive quand vous aurez tout vendu? Voulez-vous que ça affiche rupture de stock? On peut faire certaines associations, donner des caractéristiques, des options, des small, medium, large. C'est pas là que vous allez les créer. C'est ici que vous allez associer une option à un produit. On fait des réductions, on fait des promotions. On peut même donner des points récompenses aux internautes qui, un peu comme des Air Miles, hein, plus ils achèteront, plus ils gagneront des points qu'ils pourront échanger plus tard. Beaucoup d'informations, hein? N'ayez crainte, sous moi, plein d'informations en texte pour vous guider pas à pas avec toutes vos petites interrogations par rapport à toutes les fonctions disponibles dans la section produits de la boutique en ligne.